Arnaud, PDG du groupe LVMH, qui détient en contrôle les champagnes Moët & Chandon, Louis Vuitton, Dior et une deuxième fortune de France. And I think the first one too. Oh yeah, yeah. They were together since maybe 1 year or anything yeah. like that. No? Yeah. Yeah. Et puis la grande maison crème, avec son garage à bateaux et un petit ponton privé devant, appartient à la famille Mohamed Al-Fayed, qui vient très souvent sur Saint-Tropez, à bord de leur superbe voilier Sakara. Puis de couleur blanche, immense et de style moderne, avec toit terrasse et héliport privé. Voici la demeure de Tony Meuret, un Français qui a fait sa fortune en achetant les usines de fabrication de matériel incendie, Cycli. De la colline se trouve une très belle demeure en pierre du pays, au volet de couleur lavande. C'est une maison dont je suis sûr que nous sommes quelques-uns à bord à avoir participé à son financement, puisqu'il s'agit de la maison de la famille Heineken. Et à la pointe du Rabiou, entourée de palmiers, une maison achetée 50 millions de francs, car quelques travaux à prévoir. L'histoire raconte que la même somme a été ajoutée pour la terminer. Le repropriétaire, c'est l'ancien directeur de Peugeot, Monsieur Jacques Calvé. Le sentier du littoral vous emmène à la pointe de l'Aille. Derrière se trouve le cap Saint-Tropez, la voûte, la plage des Salins, et puis les plages de Pamplonne, qui se situent sur la commune de Ramatuel. Sur notre droite se trouve la ville de Sainte-Maxime, moderne, autour d'un cœur de village ancien. À la suite de Sainte-Maxime, vers la droite, vous trouverez les collines des Vicombres, puis derrière le golfe de Fréjus et Saint-Raphaël. Tout au bout, le massif de l'Estérel, reconnaissable à sa pierre de couleur rouge. Et derrière lui, en vous dirigeant vers la frontière italienne, vous trouverez Cannes et Nice. Er zijn mensen, man. Ieder.